Il serait désespérant, alors qu'il n'a jamais été autant question de la Turquie, alors que se sont dressés un peu partout des femmes et des hommes en défense d'Hachle, une fois la pression retombée, se referment les barreaux d'indifférence sur celles et ceux qui n'étaient pas dans la lumière. Comment étendre la solidarité et l'aide à apporter à ces centaines de témoins de la dérive plus qu'autoritaire de l'État turc et ne pas tomber dans le piège tendu des arrestations et des libérations sélectives ? Avant de laisser les uns et les autres participer à cette soirée, je conclurai par des mots de Meral Kamsi, universitaire turc arrêté le 1er avril 2016 et incarcéré à la prison de femmes de Bakırköy, en fait le bâtiment de pierre dans lequel Hachle Erdoğan a également été emprisonné. Ces mots qu'elle a fait parvenir à Hachle, évidemment avant l'emprisonnement d'Hachle, tant qu'elle était encore en capacité d'écrire, disaient ceci. Vous, à l'extérieur, et nous, de l'intérieur, continuons à lutter. Il semble que cela doive durer, mais avançons, pierre par pierre. Un jour viendra, où pour nous, pour les forces du travail et de la démocratie, et pour tous les peuples, la paix, l'égalité et la liberté cesseront d'être une revendication pour devenir notre vérité. À l'extérieur comme à l'intérieur, nous ne sommes pas seuls, avec toute ma solidarité et mon amour.